Macara Day est une activité que nous avons. Le Sankara Day est une occasion pour nous, en tant qu'Africains du Sénégal, de nous rappeler, même si en réalité nous n'avons jamais oublié, la vie, la vision, mais surtout la politique de Thomas Sankara. C'est pourquoi donc il est important pour nous que chaque année nous puissions, à travers cette journée, rendre hommage à Thomas Sankara, mais également à la personne de Thomas Sankara, rendre hommage à tous nos ancêtres dignes qui se sont toujours battus pour la libération de l'Afrique. Mais le Sankara Day, c'est également une opportunité pour nous. Parce qu'aujourd'hui, il est important de prier pour nos ancêtres. Il est important de commémorer et de rendre hommage. Mais nous estimons qu'il est tout aussi important de suivre la voie que ces derniers ont tracée. Il est tout aussi important de perpétuer le combat digne de nos ancêtres. C'est pourquoi le Sankara Day est également pour nous une opportunité pour partager la vision des idées de Thomas Sankara. Parce que nous nous retrouvons dans ces idées-là, en réalité. Et ces idées reposent sur le panafricanisme, sur la solidarité africaine, sur l'unité africaine. Nous avions décidé, en ce 15 octobre, de célébrer le Sankara Day à travers une grande activité culturelle qui avait donc pour objectif de revaloriser la culture africaine et d'aller vers un élan de solidarité envers notre communauté. Donc initialement, aujourd'hui, il n'était pas prévu que nous soyons là pour effectuer cette conférence de presse. À cette heure précise, nous devions être à la place du souvenir africain. La place du souvenir africain qui est un endroit symbolique, qui a été construit justement pour honorer tous les ancêtres dignes qui se sont battus en Afrique, mais également dans la diaspora, pour la dignité africaine. Il était prévu que nous effectuions, dans un premier temps, une exposition pour promouvoir les produits africains, j'y reviendrai. Il était également prévu que nous effectuions un panel sur le thème du vivre africain, parce que le thème vivre africain est le thème que nous avions retenu pour cette journée-là. Il était également prévu qu'à travers des prestations culturelles, des slams, des prestations théâtrales, que nous valorisions également la culture africaine, mais également à travers un concours d'art oratoire qui devait être effectué à Wolof, qu'à travers aujourd'hui nos langues locales, que nous puissions promouvoir donc la culture africaine. Et comme je disais tantôt, le thème qui a été retenu pour cette année, c'est vivre africain. Vivre africain parce que nous considérons que en ce 21e siècle, où l'Afrique peine encore à reprendre cette place-là qui lui est due, la seule et unique voie que nous devons suivre, c'est cette voie-là que Thomas Sankara nous a démontrée, à savoir la voie du panafricanisme. Vivre africain parce que, comme il le disait, nous devons accepter de vivre africain si nous voulons vivre digne et vivre libre. Notre identité. Se réapproprier cette dernière. Lorsque nous à vivre africain, nous les appelons à être dans une posture de solidarité entre la communauté. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande force de chaque peuple, c'est sa capacité à pouvoir entretenir une certaine solidarité au sein d'elle. Mais lorsque nous appelons également notre peuple à vivre africain, nous les appelons à promouvoir tout ce qui vient d'Afrique, à consommer africain, à produire africain. Et Thomas Sankara l'avait dit dans son fameux discours à l'ONU. Il disait que nous devons faire de telle sorte que le marché des Africains, que le marché africain soit le marché des Africains. Nous devons produire ce dont nous avons besoin et consommer ce que nous produisons. Parce que c'est la seule façon de vivre bien et de vivre libre. C'est dans ce sens que nous avions invité toute la communauté africaine dans sa globalité,